puisque Dieu fait grâce. Il est donc temps et c'est maintenant. Préparons nos frères et sœurs à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Gracias.
avez demandé, pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes tuées dans la chute, la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher le fruit sur le figuier qu'il n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher le fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon me laisser épuiser le sol? Mais le vigneron lui répondit, Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je pêche autour, pour y mettre du fruit. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. Si ton Dieu existait, si ton Dieu existait vraiment, tu n'aurais pas toute cette souffrance dans notre monde. Il y aurait certainement pas cette guerre à l'intérieur. Si ton Dieu existait vraiment, chère Rose, et vous tous, chers jeunes, je suis sûr que vous avez déjà entendu cette phrase. C'est la phrase type que les gens, sans grands arguments, nous opposent à nous, les croyants. Si ton Dieu existait vraiment, il n'y aurait pas toute cette souffrance dans le monde. Vous savez, c'est exactement comme si on allait voir, disons, un enfant qui vient de tomber en s'égorgeant de Dieu. Et qu'on lui dit, si ton père existait vraiment, tu ne serais pas tombé. Si ton père existait vraiment, tu ne serais pas tombé. Franchement, c'est quand même absurde. On est là où nous serons de la réflexion. On ne va pas, quand même, on ne va pas aller dire ça à un enfant qui vient de tomber. Car bien évidemment, il existe son père, il existe son papa. Peut-être même qu'il était juste à côté de lui. Et donc, chers amis, même quand on a un papa super sportif, on peut tomber. On peut tomber juste à côté. Ça arrive. On est d'accord. Et nous, les chrétiens, nous croyons qu'on le tient qui est père. C'est bien pour ça que j'ai donné l'exemple de papa. Et puis en ce jour, nous faisons Saint-Joseph, père adoptif de Jésus. C'est donc pour ça que j'ai pris l'exemple de papa. Pour mon Dieu est un papa. Et un papa, je suis désolé, un papa, ce n'est pas Superman. Un papa, ce n'est pas Superman. Ça, c'est ce qu'on croit de son enfant. On croit que notre papa, c'est Superman. Mais, peu à peu, on se rend compte que même si on a un super papa, c'est
quand même pas Superman. En grandissant, on s'aperçoit que nos parents ne sont pas tout puissants. En fait, ils le sont, vos parents. Ils sont tout puissants, mais ils sont tout puissants en amour. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes nés. Vous êtes nés de leur amour. Ils sont tout puissants en amour, mais ils ne sont pas Superman pour autant. Un père, mes amis, un père, ce n'est pas quelqu'un qui télécommande votre vie, qui télécommande la vie de ses enfants pour qu'il ne leur arrive strictement rien. Un père là-bas, la manette dans les mains. Une maman de mon père, les parents dans cette assemblée, les grands-parents aussi, savent très bien qu'ils font tout leur possible pour leurs enfants et pour leurs petits-enfants. Mais ils savent aussi qu'ils sont incapables de leur empêcher absolument tout mal. Un Dieu père, eh bien, c'est la même chose. Un Dieu père ne peut pas empêcher son enfant de faire le mal ou de le subir. Nous restons libres. En revanche, le père, tout comme une mère, souhaite qu'il n'arrive rien de mal à son enfant. Et pour cela, il va essayer de lui offrir les meilleures conditions, de lui donner une bonne éducation, de lui apprendre une éthique, de lui apprendre des valeurs. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là ce soir, chers jeunes, chers enfants. Merci, chers parents, pour tout ce que vous apportez à vos enfants. Et merci aux catéchistes, aux accompagnateurs qui prennent le relais. C'est tellement possible. C'est exactement ce que Dieu veut faire avec chacun de nous. Il nous a donné des valeurs, des commandements, on appelle cela. Et puis un évangile, comme cette page que nous avons tout à l'heure, le Père Jean-Louis. Dieu nous a donné ces valeurs. Après, c'est à nous de choisir. Nous sommes libres. Si l'enfant, une fois qu'il est devenu adolescent, passe son temps à faire des messes de ce que ses parents ont appris, et forcément, il risque de lui arriver quelque chose de grave. Et nous, les adultes, nous sommes tous passés par l'adolescence. Nous avons tous plus ou moins connu cela. Or, vis-à-vis de Dieu, mes chers amis, nous sommes encore parfois des ados, passant notre temps à tout faire, à faire tout le contraire de ce que Dieu nous propose. Et cela, par défi, avec cette petite phrase au fond du cœur, de toutes les façons, je m'en sortirai tout seul. De toutes les façons, je m'en sortirai tout seul. Eh bien non. Quand on cherche à s'en sortir tout seul, on oublie qu'il y a Dieu. On oublie qu'on peut lui demander de l'aide et qu'on ferait mieux d'ailleurs de lui demander de l'aide. Devenir adulte dans la foi, chers amis, c'est un travail de tous les jours. Rose, toi qui ce soir, où es-tu? Toi qui ce soir reçois Dieu pour la première fois dans ton cœur, ne l'oublie pas, tu deviens quelque part adulte dans la foi. Et devenir adulte dans la foi, c'est un travail. Tous les jours, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on soit enfant, qu'on soit déjà adulte dans la vie, c'est un travail de tous les jours. Et ça passe par des temps forts, comme celui que nous avons vécu aujourd'hui avec la journée des vocations, avec la première communion de Rose, avec l'après-midi en monologie. Et même avec la soirée bonne suivie d'une veille de prière tout à l'heure pour l'Ukraine, et il y en a qui nous invitent à l'homologie des jeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en réalité, devenir adulte dans la foi, c'est se demander ce que nous pouvons faire, nous, pour Dieu, plutôt que de nous lamenter sans cesse sur ce que Dieu veut faire.
justement ce que Jésus propose à ses interlocuteurs dans l'évangile de ce soir. Ils étaient venus le trouver Jésus pour se plaindre. Vous avez entendu. Et Jésus leur demande s'il croit vraiment que les victimes de quel attentat ou de quelle décision catastrophique, si ces victimes étaient des personnes pécheresses que les autres. Sérieusement, cher jeune, vous croyez-vous que les victimes d'un tremblement de terre ou d'une avalanche, par exemple, ou si vous préférez, vous croyez-vous que les victimes de la guerre actuelle en Ukraine, vous croyez qu'elles étaient plus mauvaises que nous qui avons la chance d'être là en paix aujourd'hui dans ce pays? C'est absurde. Évidemment que non. Dieu ne veut jamais de mal et Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui dit la même chose. Il ne s'agit pas de dire Jésus. Il ne s'agit pas de savoir si telle ou telle victime était bonne ou mauvaise. Il s'agit de nous convertir, nous, avant de regarder les autres. Cessez de récriminer, comme le disait Saint Paul dans la deuxième lecture tout à l'heure. Alors cessons de demander des comptes à Dieu. Regardons ce que nous pouvons changer en nous et autour de nous. Regardons ce que nous pouvons convertir en nous avant de penser convertir les autres. Vous savez, l'évangile a été écrit en langue, dans une langue qu'on appelle le grec. Le père Jean-Louis a fait allusion à cette appel. Et en grec, convertir, ça se dit par le verbe qui signifie changer son regard, se retourner.
Thank you.
monde et ses souffrances. Toi qui ensemble prie les mal de notre vie, écoute nos prières, particulièrement celle de notre adolescence ce soir, pour Charles Roger, pour Joseph et Marie Pascal, pour Francis et Rubio, pour le peuple ukrainien et le peuple de l'invasion. Et accueille-les par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Thank you.
Thank you.
Pardonne-nous nos offenses, ainsi que nous en offensés.
Dieu, notre Père, nous sommes à toi, et notre vie repose en tes mains. Tu ne nous laisses jamais seuls, et avec toi nous n'avons rien à craindre. Bénis ces fiancés, envoie-leur ta lumière, qu'ils reconnaissent qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Protège-les sur le chemin qu'ils vont suivre ensemble, pour qu'ils vivent en ce temps, pour qu'ils vivent ce temps de préparation mariage, dans un amour respectueux et responsable. Que dans la confiance mutuelle et dans leur foi en toi, ils aillent plus sûrement l'un vers l'autre. Je t'en prie, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Quand vous êtes debout, la parole de Dieu vous est remise ce soir pour éclairer vos doutes, pas seulement jusqu'au mariage, pendant et jusqu'à la fin de vos jours.
Demain, à 16h, à l'UCAT, concert du haut officiel Chant du ciel. Mardi 22 mars, à 15h à Port-le-Cat, cercle de lecture Acte des Apôtres. Jeudi 24 mars, à 16h, à Sijan, célébration pénitentielle. Et samedi 26 mars, à 18h, à Sijan, messe du 4e dimanche de Paris. Ce mardi 15 mars, c'est par solidarité avec le peuple ukrainien. Le second catholique de Sijan a consacré son activité et sa recette de la matinée au secours catholique caritatif d'Ukraine. Grâce à vos dons, grâce à votre belle solidarité, nous avons récolté 500 euros. Un grand merci de la part de l'Église littorale et de moi. Voilà, merci. Ce soir, après la messe, vous êtes tous invités à la salle paroissiale, à vivre un temps fort pour ce troisième dimanche de carême. Nous partagerons d'abord un bol de riz, puis un moment convivial pour le jeu de société. Nous finirons par un temps de prière pour la paix en Ukraine et pour le Burkina. Venez nombreux. Vendredi 25 mars, au jour de l'association, la communauté de l'UCAT vous invite, à la demande du pape François, à venir prier le chapelet à l'église du village de 17h30 à 18h30. Venez nombreux prier Marie pour la paix en Ukraine et au Burkina. Merci à tous. Le Seigneur soit avec vous. Descendez sur vous et que leur